Change vraiment les gens. Depuis quand je t'ai mis dans la lecture. Attends, je ne suis pas d'humeur à bavarder ce matin avec toi. En tout cas, bravo. Vraiment bravo, chérie. Si je vois bien, c'est notre acte de mariage que tu as entre tes mains. Et c'est tout l'amour là qui te dérange comme ça. Niki. Quel mot? Elle ose me parler d'amour. Hein. Je remarque que le maire, il a dû faire une erreur sur notre acte de mariage parce que je fais regarder depuis, je ne vois aucune date d'épéramption dessus. C'est pas normal. Ouais. C'est très grave. Ouais. Toto. Toto. Moi, je te savais bête, mais pas fou. Je te fais une remarque, tu me crains de fou. Depuis quand, hein? Dans quel pays tu as déjà entendu que l'acte de mariage a une date d'épéramption? Donc, tu comprends bien, l'acte de mariage, ça ne périme jamais. Tu as signé sans lire. Hey! Comme tu as signé là, c'est pour le meilleur et le pire. Mmh. Oui, oui. La seule chose qui peut nous séparer, c'est la mort. Ah, oh. Parle pas de la mort ici, pardon. Je parle pas de la mort comment. Et en passant, depuis, je te vois faire tes petits trucs que tu fais là. Si tu as déjà promis le mariage à une de tes bordelles là-bas dehors, tu as compris? Moi, je ne me déplace pas. Je vais mourir ici. Donc, si tu as promis, repars là-bas, tu dis à la fille là que ma femme a dit que elle va rester là pour le meilleur et pour le pire. Et en passant, pardon, je suis pressée, je veux l'argent du marché. C'est pour la raison que tu bavardes tes bêtises le matin comme ça. Attends un peu. Pour me rationner, je dois même bavarder. Tu n'as même pas l'argent, hein? Voilà 500, tu peux même faire même de ta toca suivre. 500. C'est petit. Je te rappelle que le but, c'est de se mettre quelque chose sous la dent. Hein. Attends, un peu, comme j'ai dit que je devais supporter le pi là. Le pi là, c'est comme c'est déjà comme ça. C'est petit, tu me remets. Quand je bois ma bière, ça me dépasse. C'est grave. Donc Chou, qu'est-ce qui est encore grave? Qui est moi chez vous? Tu es toujours comme ça. Quand on veut être sérieux, il faut toujours que tu apportes du n'importe quoi. Toto, je ne t'ai pas connu comme ça. Hein. Au début de notre relation, quand je te demandais quelque chose, tu me donnais toujours. Depuis que tu m'as épousé, tu es venu me déposer ici. Là, même me donner l'argent pour me coiffer, il n'y a plus. C'est comment? Mais je dis, hein, tu dis bien qu'au départ, je te donnais l'argent, non? Donc tu ne sais pas que tous les hommes font ça. Qu'au départ, tous les hommes donnent toujours l'argent aux femmes. C'est pour vous attirer. Alors? Mais voilà l'exemple très simple. Tu vois, même quand le pêcheur va à la pêche, n'est-ce pas, il met la nourriture sur la maison, non? Une fois le poisson pêché, est-ce qu'on nourrit encore le poisson là? Non. On consomme. Alors reste là, j'attends qu'elle te consomme. Ne me fatigue pas les oreilles. Attends un peu. C'est moi que tu prends tes exemples des pêcheurs et machin truc là. Ouais. Oh. Ah. Pardon, hein. Ne me fatigue pas les oreilles. Il dit, tu appelles un père ou ma bébé, je suis ton bébé. Appelle-moi pour mon nom. Toi aussi. Bébé. Mais tu sais qu'il t'aime trop, non? Je sais. Voilà, et qu'il t'aime toujours supporté. Hein? Tu me supportes, je joue dans quel club? Pourquoi tu me supportes? Pardon, caprice, me fatigue pas. Pardon, va au marché. Ah. Moi, je te comprends. Je sais que pour le moment, tu n'as pas assez d'argent, mais... Je veux quand même que tu me flattes. Que tu me fasses au moins 100 compliments pour me remonter le moral. Il dit, tu le coquille, tu fais quoi le compliment? Fatigue pas les gens aussi le français, genre. Parle comme me comprendre. Mais tu es trop bizarre. Tu es trop bizarre. Même je te demande un simple petit truc. Regarde comment je suis. J'ai fané. Je ne me reconnais même plus devant la glace. Il dit que... Tu dis que tu as les vertus, tu es toute fanée, tu te reconnais plus, non?
comme compliment à ma doudou. Je vois que tu es prête pour la casse. Hein, Toto. Moi, je joue, Toto.